Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avancez. Merci beaucoup, prophète. Voilà, la question était de savoir, la question a deux volets pratiquement. Est-ce qu'il est possible de recevoir encore le manteau d'un général qui est décédé il y a plusieurs années? Un général qui est décédé il y a plusieurs années auparavant, peut-être vous n'avez pas existé même à l'époque où il exerçait, mais est-ce qu'il est possible de recevoir encore son manteau? Il y a un internaute qui avait même dit que voilà, il a eu plusieurs fois avoir un général qui est mort plusieurs années auparavant venir l'impacter dans un songe. Donc, est-ce qu'il est toujours possible soit de recevoir le manteau ou d'être impacté dans le temps présent par un général qui est mort auparavant, en vision ou en songe? Personnellement, j'ai donné mon propre témoignage il y a peut-être un mois ou deux comme ça auparavant. J'ai vu en songe le docteur Miles Monroe, qui est mort en 2015, je pense, venir me voir en songe. Et dans le songe, je savais qu'il était mort. Je lui dis même, mais je sais que tu es mort. Comment tu es là? Et je regardais autour de moi, j'étais la seule personne à le voir. Et je savais qu'il était venu me donner un message. Il est venu, il m'a emmené quelque part. On a longuement parlé. Et à la fin même, je pleurais pratiquement avec ce qu'il me disait. Et je lui ai même dit, je sortais une offrande pour lui donner. Et lorsque je me suis même réveillé, j'ai pris une offrande. Je suis venu donner au culte. Vraiment, est-ce qu'il est possible d'être encore impacté par ces généraux qui vont? Est-ce que la question est bonne? On peut acclamer très fort, c'est intéressant. Y a-t-il ce soir des hommes et des femmes qui ont déjà eu ce genre de songe? Si vous êtes là, levez les mains, ou même en direct. Y a-t-il ici des hommes et des femmes? Vous avez déjà dormi et vu un homme de Dieu qui est déjà dans la gloire vous apparaître en songe et vous parler, vous remettre quelque chose, vous instruire, ou même prier pour vous? Levez les mains. Wow, donc, il y a plusieurs qui voient des morts ici. Là où vous êtes, levez-vous un peu. Ils sont nombreux. C'est près de la moitié de l'église. D'accord, mettez-vous. Nous qui sommes assis, on va les acclamer et je vais commencer à répondre. Alors, je crois que cette question est venue du fait que à la dernière soirée, j'ai eu à effleurer cela. Et beaucoup de gens ont parlé, même aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les morts, les morts, les morts. Beaucoup ont été intrigués par ce que j'ai eu à exposer. Mais au-delà de quelques personnes qui ont eu à se questionner en s'exprimant par des écrits, plusieurs se sont retrouvés dans ce que j'ai dit. Comme vous le voyez ici, c'est près de la moitié des gens qui ont déjà eu à voir des hommes de Dieu dans la gloire les apparaître en songe. Je vais répondre de plusieurs manières. Première chose à savoir, lorsque vous rêvez d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu qui est déjà mort, ok, cela veut dire numéro un, qu'il y a certainement un dénominateur commun entre votre ministère et leur ministère. Ok. Elle peut être une femme et vous êtes un homme. Il peut être un homme et vous êtes une femme. Donc, vous êtes un homme, mais vous rêvez de Catherine Kuhlman. Vous êtes une femme, mais vous rêvez de John G. Lake, par exemple. Vous êtes un homme et vous rêvez de Maria Woodruff Ether, Tumba Shaumba. Ou même vous êtes une femme, mais vous rêvez de Alexandre Adina Bala. Cela veut dire, premièrement, qu'il y a absolument un dénominateur commun entre vous et la personne que vous avez eu à voir. Soit vous avez le même ministère, soit vous aurez la même expression du ministère, soit vous aurez les mêmes interdits, soit vous aurez la même onction, ou soit vous aurez surtout le même message, ou même la même localisation. Je peux vous montrer l'image de quelqu'un qui a vécu longtemps dans un milieu rural pour vous dire que votre onction réside et va se manifester dans les milieux ruraux. Donc, il y a toujours un dénominateur commun entre vous et la personne que vous voyez. Et même lorsque vous verrez la personne, vous allez sentir en vous, vous allez reconnaître en vous quelque chose qui vous lie. Je ne sais pas comment, mais vous-même là où vous êtes, vous saurez qu'il y a quelque chose entre cette personne et moi que nous partageons en commun. Deuxièmement, c'est aussi probablement parce que il y a Dieu qui a voulu vous parler, mais en utilisant le visage de l'un de ses serviteurs. Ça, c'est quelque chose qui arrive, même pour les hommes de Dieu qui sont morts ou même qui sont vivants.
quand Dieu veut vous parler, sachant que Dieu se fait représenter sur la terre par trois types d'autorités. Un, l'autorité gouvernementale, le président ou le roi. Deux, l'autorité parentale, votre père ou votre mère. Et trois, l'autorité sacerdotale, votre père spirituel ou un homme de Dieu. Okay. Donc, quand vous dormez et que Dieu veut vous visiter, il peut utiliser une image de l'un de ces trois représentations. Soit vous voyez le chef de l'État vous parler, soit vous voyez un homme de Dieu vous parler, soit vous voyez un parent biologique vous parler. C'est toujours lui qui parle, mais se faisant représenter par les voies légales des représentations de Dieu sur la terre. Donc, deuxièmement, si je rêve d'un homme de Dieu qui me parle, mais qui est déjà mort, c'est certainement aussi Dieu qui me parle, mais utilisant l'image de l'un de ses serviteurs. Okay. Troisièmement, lorsque je vois un serviteur de Dieu qui n'est plus venir à moi la nuit, ça veut dire troisièmement, maintenant on va aller en profondeur. Avance, prophète. Je parle en profondeur. Avance, prophète. Ça peut vouloir aussi dire que ce n'est pas lui. Et ce n'est même pas Dieu. Mais c'est son ange. Ok. Oui. Dans la tradition juive, les juifs croient, dans le domaine de l'angéologie, que chaque ange ressemble à la personne auprès de qui il a été assigné. Vous allez voir, lorsque dans Actes chapitre 12, Jacques a été décapité, Pierre a été emprisonné, et lorsque par la prière des saints dans la maison, Pierre est sorti de prison, il est allé frapper à la porte de la maison dans laquelle on priait pour lui. Ils ouvrirent la porte, ils virent Pierre et dirent, ce n'est pas lui, c'est son ange. Son ange. Yeah. Comment les juifs chrétiens pouvaient croire que ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange? Ils avaient plus la foi en un esprit qu'en un être humain. Ils avaient plus la conscience de l'apparition d'un être spirituel que d'un être humain. Et pourquoi pouvait-il dire que c'est l'ange de Pierre? Parce que l'ange de Pierre ressemblait à Pierre. Il peut arriver que l'homme de Dieu n'est plus, mais les anges qui opéraient avec lui ne chôment pas. Oh my God. Les anges qui ont opéré avec l'apôtre Mbillé existent et sont encore en train de continuer le travail, même si lui n'est pas là. Parce que les anges de la mission est égal à l'onction. L'onction, ce sont les anges. L'onction, c'est la présence des anges de la mission de quelqu'un avec lui. Quand on dit j'ai l'onction de Dieu pour être prophète, donc j'ai les anges qui opèrent avec les prophètes avec moi. Parce que l'onction, c'est la présence des anges. Le oint peut partir, mais l'onction ne part pas. Le oint peut partir, mais les anges ne partent pas. La preuve, Élie est parti, mais le manteau est tombé. Oh my God. Je parle en profondeur. Allez, Baba. Est-ce que je parle en profondeur? Avance, prophète. Il est allé, et lorsque Élisée disait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élie partait. À ses yeux, ce tourbillon, cette armée angélique a pris Élie. Mais spirituellement, quand le manteau tombait, c'était toute une armée autour du manteau. La preuve, lorsque le serviteur avait peur des ennemis, il a dit non. Il dit, frère, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et lorsque les yeux se sont ouverts, il a vu toute une armée. La Bible déclare autour d'Élisée. D'où venait cette armée? Elle venait du manteau. Oh my God. Parce que c'est l'armée qui opérait avec Élie. C'est la famille angélique qui opérait. Quand vous voyez l'ange d'un homme, l'image d'un homme de Dieu qui n'est plus, c'est aussi souvent son ange ou ses anges qui sont là et veulent vous accompagner maintenant alors que vous prenez la relève. Pour la dernière chose que j'aimerais dire, lorsqu'on voit un serviteur de Dieu dans le songe qui est déjà mort, c'est lui qui a été mandaté pour vous parler. Oui. Avance, prophète. Maintenant, on va entrer dans les choses sérieuses. Avance, prophète. Dieu crée les esprits. Genèse 1, verset 1, verset 26, 27. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Bara, créé à partir du néant. Dieu a créé Adam et Ève. Genèse chapitre 2, Dieu a bara, Dieu a yatsar, il a formé l'homme. Il a pris l'homme esprit qu'il avait créé et la femme, il a mis à l'intérieur de l'argile. Et la fusion de l'esprit et du corps ont créé ce qu'on appelle l'âme. Cela n'est même pas le point. Les esprits, dans la version française, on dit Dieu a créé tous les êtres humains. Là, c'est Genèse 1.
Donc, tous les êtres qui existent sur la terre ont déjà existé en esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tous ceux qui vont vivre sur la terre existent spirituellement. Ils viennent sur la terre par la voie légale de la conception. À part, bien sûr, Christ, qui n'est pas venu par cette voie. Lui, c'est Dieu fait chair, entré dans une femme, est venu pour sauver Israël de ses péchés ainsi que l'humanité. Écoutez-moi très, très bien. Les esprits que Dieu crée, Dieu ne les gaspille pas. Parce que nous croyons en l'immortalité de l'âme ou l'immortalité de l'esprit. Le corps meurt, il rentre à la poussière, Ecclésiaste 12, n'est-ce pas? D'où il a été tiré. Mais l'esprit rentre à Dieu. Donc l'esprit ne meurt pas. Et Dieu, il s'appelle dans la Bible, dans Hébreux et dans Jacques, le Père des Lumières ou le Père de tous les esprits. Parce que c'est lui le Abba, c'est de lui que viennent tous les esprits qui existent. Tous les êtres angéliques, tous les êtres spirituels, mais aussi tous les esprits qui portent des corps qu'on appelle les êtres humains. Dieu en est le Abba et Dieu en est le Adonai. Il en est le Seigneur. Il peut disposer d'un esprit, même de quelqu'un qui est mort après sa mort, pour se servir de lui. Mais cela, il ne le fait pas avec tous les esprits. Écoutez-moi très bien. 2018. Avance. 2018, je suis à Kigali. 25 décembre, à l'hôtel Ubumwe. Christian m'a accompagné. J'étais en mission au Rwanda. Je dors à l'hôtel. La même nuit, Jésus m'apparaît. C'était la dernière fois qu'il m'apparaît avant, je crois, la semaine passée. Ou une semaine et demie passée. La même nuit, le Seigneur m'apparaît et il me parle. Et un ange vient, il me prend dans la chambre et il m'emmène au ciel. C'était l'une de mes visites que j'ai eu à voir au ciel. J'ai été emmené en esprit dans le jour du Seigneur au ciel. Et cette fois-là, Dieu m'a emmené visiter un lieu que je n'avais jamais visité au ciel. J'ai déjà vu le ciel, j'ai déjà vu le trône, j'ai vu beaucoup de choses. Mais ce jour-là, l'ange m'a emmené visiter un lieu que je n'avais jamais vu auparavant. J'arrive dans ce lieu, lorsque j'y entre, je vois des êtres, des esprits. Et je vois le commencement de là où ils étaient, mais je ne pouvais voir la fin. Prophète Jonathan, écoutez-moi très bien. Il y avait des êtres, des millions ou des myriades. Je pouvais voir le début et la fin, mais sans voir le début et la fin en même temps. C'était tellement immense. Et on me dit par la voix audible de l'ange. L'ange me dit, ici est la nuée des témoins. Ici est la nuée des témoins. Et il a commencé à m'expliquer que ici réside... Avance, prophète. Les esprits, écoutez-moi très bien, les esprits des saints qui continuent encore à être utilisés par le Seigneur sur la terre. Et on me dit, ici se trouvent les vainqueurs. Et je me suis rappelé le livre du prophète Rick Joyner. Il avait eu à voir dans le livre Ultima Assaut. Il a vu les saints quelque part. Et c'est exactement ce que j'avais vu. Et quand je sortais le matin, je sortais de la vision, je priais. Et le prophète Ken Muyama écrit de Génération Joël. Il m'avait déjà raconté quelques années passées des visions qu'il avait eues du ciel. Et je lui ai posé la question en disant, as-tu déjà vu un tel endroit? Il dit oui, c'est là où il y a la nuit des témoins. J'ai dit waouh. Parce que c'est important de questionner les autres prophètes pour essayer de comparer, voir si vous êtes dans la vérité. Parce que nous ne faisons pas d'une vision une doctrine. Okay. Il y a ce qui est doctrinal et ce qui est expérimental. Mais ce qui est expérimental trouvera sa base dans les Écritures. Je me rappelle le pasteur Chris Akilome dans l'un de ses CD qui accompagne le livre The Seven Spirits of God. Il conduit un culte d'adoration et il dit, à la maison, Dieu me disait aujourd'hui que Pierre et Paul seront là pour nous voir adorer. Pierre et Paul seront là pour nous voir adorer. Je me rappelle papa Jean-Bosu Kindomba un jour qui me dit, pendant qu'il prêchait, il a vu Paul qui était assis et puis Paul qui le regardait. Pas un ange, Paul. Ce n'est pas parce que les gens ne disent pas tout au ce qu'ils vivent que ce que nous on dit c'est faux. Non.
on a seulement le courage de le dire en public des fois. Parce que ce n'est pas juste le courage, c'est aussi le mandat. Dieu m'a mandaté pour emmener les chrétiens à entrer dans la dimension spirituelle. Hébreux chapitre 11, on présente les héros de la foi. Hébreux chapitre 11, à la fin, on dit, le temps me manquerait de parler de Jephthé, de tel. Dans le chapitre 12, verset 1, on dit, nous donc, environnés d'une si grande nuée de témoins, l'abashabrada seker. On dit, courons dans cette carrière qui nous est ouverte, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement, mais les yeux fixés sur Christ, lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. L'image que l'apôtre, l'image que celui qui a écrit Hébreu est en train de peindre, quelqu'un est avec moi? Avant. C'est l'image de ce qui se passait autrefois en grec ou à Rome, dans les colisées ou dans les stadiums. Il arrivait juste que quand on faisait la course d'athlétisme à l'époque même des Grecs, il y avait dans les pourtours un lieu privilégié que l'on mettait à part, qu'on appelait la nuée des témoins. Ce lieu-là, c'était un lieu où on mettait de manière honorifique tous les anciens coureurs d'athlétisme qui avaient vaincu. On les réserve un lieu et eux, ils regardent les nouveaux coureurs qui entrent sur la piste et qui commencent à courir. En fait, celui qui a écrit veut seulement dire ceci. Quand tu veux commencer à courir, regarde. Il y a de ceux qui ont couru avant toi et qui ont vaincu. Toi aussi, tu peux courir et tu peux vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. On veut seulement dire que si tu es stérile et chrétienne et que tu n'as pas d'enfant, regarde Elisabeth est quelque part là. Elle a cru et son mari était à l'église en train d'adorer Dieu, comme aujourd'hui. Yes. Et l'ange lui a dit, ta femme sera enceinte. Yes. Quand ta femme t'a abandonné, tes amis t'ont laissé et ils te jugent, pense à Job. Yes. Ne dis pas, je vais te décourager. Yes. Parce que Job avait dit, même si ma peau se sèche et mon corps maigrit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es fatigué, regarde la nuée des témoins. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ont souffert comme toi, paient les prix comme toi, ont eu l'onction comme toi, des femmes qui ont eu l'appel comme toi. Si tu, alléluia, si tu peux les regarder, tu peux être encouragé. Et au cas où Josué ne te convainc pas, au cas où Moïse ne te convainc pas, au cas où Abba la Haïdi ne te convainc pas, cours en fixant les yeux sur Christ. Yes. Comment? Parce que c'est lui le modèle parfait qui n'a failli en rien. Est-ce que je peux dire à quelqu'un qu'est-ce que je dis? La nuée des témoins nous environne. Voilà pourquoi il y a des fois où Dieu peut dire quelqu'un de la nuée, viens encourager le coureur. Come on, yes. Viens transmettre quelque chose au coureur. J'aimerais dire quelque chose, mais ça va être dangereux. C'est déjà très lourd, Dad. C'est déjà très lourd. J'aimerais dire quelque chose, mais ça va être dangereux. Avance, Dad. Vous savez, nous qui avons vécu dans l'époque de Club Dorothée, qui avons vécu à l'époque de Club Dorothée, on a suivi une série de dessins animés qu'on appelle les Chevaliers du Zodiac. Peut-être que vous venez pas de cette époque. Tous ceux qui ont suivi Club Dorothée sont là. Alors, dans le Club Dorothée, on nous présentait de manière phénoménale la puissance du cosmos. La puissance de l'énergie, l'énergie qui peut émaner d'un cœur pur, d'un zèle et d'une bonne cause. On présente l'énergie au travers de ces hommes qu'on appelle les chevaliers du Zodiac, les chevaliers d'Athéna qui étaient les chevaliers de bronze. Ils n'étaient même pas d'argent ni d'or. Et dans la grande épisode des 12 temples, je pense que ceux qui ont suivi, peut-être que tout le monde ne comprendra pas ce que j'ai dit, mais bon, je prends le risque de le dire. Vous allez voir que chaque chevalier du Zodiac est allé à une porte d'un temple où il y avait un chevalier d'or de l'un des signes du Zodiac, chevalier du Gémeaux, chevalier du Sagittaire ou de ceci ou de cela. Et ils ont eu à les vaincre, pas parce qu'ils étaient les plus forts, mais parce que leur cause était bonne. Ils se battaient pour la terre. Et à un certain moment, ils ont commencé, les chevaliers d'or, à les aider. Au point où, par exemple, un chevalier comme Pégase, on pouvait voir des fois, quand il se battait, il n'avait plus de force, il y avait l'armure d'or du Sagittaire qui venait l'aider. Yes. Et on voit l'image d'un chevalier qui était déjà mort derrière lui. Yes, yes. Je peux maintenant dire ce que je veux dire? Avance, Dad. Derrière chaque oint de Dieu que Dieu élève, il y a l'esprit d'un homme de Dieu mort qui est derrière lui. Come again, Dad. Come again. J'ai pas trouvé. Beast, Dad.
Répète encore, Dad. Zacharie, ton fils qui va naître sera un prophète. Mais il ne va pas faire sa mission seul. Il va opérer avec la puissance et l'esprit d'Élie. Hey. Mais Élie n'est pas là. Pourquoi on va attacher quelque chose de quelqu'un qui n'est plus à quelqu'un qui est? Dans Matthieu 17, ils disent à Jésus, mais explique-nous un peu. Mais Élie, là, c'est qui dit, Élie était déjà là. Et ils ont compris que Jésus parlait de Jean-Baptiste. Dieu ne gaspille pas les esprits. Dieu ne gaspille pas les manteaux. Dieu ne gaspille pas les onctions. Derrière chaque homme de Dieu en bronze qui s'élève, il y a l'armure. Comment? Il y a l'onction, il y a le manteau d'un homme de Dieu qui a opéré dans le même domaine avant lui. Wow. Donc, derrière Benny, il y a Catherine Kuhlmann. Yes. Derrière l'apôtre Mutombo, il y a Adina Bala. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Amen. Parce que les onctions ne meurent pas. Les manteaux ne meurent pas. Et les anges qui opèrent avec les hommes de Dieu ne meurent pas non plus. Et Dieu peut dire à quelqu'un dans la nuit des témoins, va faire une mission et parle à mon fils, parle à ma fille, qui prennent conscience qu'ils n'ont pas blagué avec ce travail. Vous avez souffert et vous êtes maintenant dans un lieu de repos, attendant le jour des jugements, parce que c'est eux, c'est nous sur les trônes qui allons juger même les anges et le diable et les nations. Et vous attendrez aussi le jour de l'enlèvement. Donc commençons par là, les récompenses, les noces de l'agneau, tout ça. Et vous devez savoir, derrière chaque homme de Dieu vivant, il y a une ombre, il y a un manteau, il y a un esprit d'un homme qui a opéré dans le même secteur avant lui. Est-ce que je peux aller plus loin? Amen. Je peux aller plus loin. Avance, Dad. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans le monde spirituel, tous ceux qui règnent opèrent avec les morts. Oui. Y a-t-il des médecins ici? Tous les médecins savent qu'après avoir étudié, on prête serment. Et le serment qu'on prête, c'est le serment d'Hippocrate. Je peux lire pour vous le serment d'Hippocrate? C'était pas prévu, mais je peux le lire. Je peux lire? Yes, Dad. Non, non. Est-ce que je peux lire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Si tu es béni, acclame de là où tu es. Vraiment, ce qui se passe est inédit. D'être ça, on peut en faire un séminaire. Est-ce que... Non, ce sont vos questions qui m'ont provoqué. Est-ce que je peux vraiment aller en profondeur? Vas-y, Dad. Je vous lis le serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate. Je jure par Apollon, médecin par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et par toutes les déesses. Hein? Est-ce que les médecins savent que c'est ça? Est-ce qu'il y a des médecins ici? Ce que je dis, c'est vrai? C'est la vérité. Le serment et l'engagement suivant, je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon avoir. Et le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour des frères, et s'ils désirent apprendre de la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes fils. Da, 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 et toutes ces choses sortent. Mais on commence à jurer par qui? Ça, c'est en médecine. Hein? Je ne raconte pas des histoires ici de l'occultisme. Ça, c'est la science. On prête serment de son engagement, mais on jure au nom des dieux, des déesses et des autorités qui représentent des autorités incarnant l'autorité médicale. Nous, nous ne jurons pas sur les morts. Non, non. Mais dans le monde, pas de la prière, dans le monde de l'invocation, il y a une différence entre l'évocation et l'invocation. Évoquer, c'est faire apparaître. Invoquer, c'est faire appel. Prier, c'est normal, mais quand on veut invoquer, on peut engager les personnalités mortes, mais qui furent en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi on prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi? Dad, est-ce qu'on peut dire par extrémisme, c'est comme ça que certaines personnes sont entrées dans la nécromancie et même dans les cultes des morts? Voilà. Dans le monde spirituel, maintenant,
nous, nous sommes dans celui qui était mort et ressuscité. Ah. Mais ah. Eux maintenant, ils opèrent avec les esprits des morts. Nous, on n'opère pas avec les esprits des morts. On opère avec l'esprit de Jésus qu'il a ressuscité d'entre les morts. Yes. Mais dans la nuée des témoins, Dieu peut utiliser des ministères types ayant les mêmes points communs avec nous pour des fois envoyer ces personnes-là afin de nous parler. Ces personnes afin d'exercer un ministère auprès de nous. Et ça, on a condamné les catholiques, mais on n'a pas compris que certaines choses sont vraies dans la Bible. Je n'ai pas avancé. Avance, prophète. Est-ce que je n'ai pas avancé? Avance, dad. Je veux dire quelque chose, mais je ne sais pas si l'Église est prête. Je ne prie pas les morts, je prie Jésus qui était mort et ressuscité. Mais dans la spiritualité du monde spirituel, dans Apocalypse 5, Apocalypse 6, lorsqu'on ouvre l'un des sceaux, on dit que les âmes qui étaient sous l'autel ont commencé à prier Dieu et à demander un jugement. Oh, les morts ne prient pas. Je m'arrête là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. Ça, c'est la Bible. Ça devient très... Écoutez, il ne faut pas avoir... Écoutez-moi, moi, c'est mon mandat. Je le fais pour éveiller l'attention des chrétiens. Je préfère lire. Est-ce que je peux lire? Ou rester dans la Bible? Je vais lire. My God. Est-ce qu'on va poser les autres questions? Vous m'avez provoqué. Apocalypse 6, la Rabacha, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'ils soient complets. Le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui étaient mis à mort comme eux. Ça, ce sont des êtres qui sont morts pour le Seigneur en mission. Ils sont arrivés à un moment où ils ont prié. Ils ont réclamé. On dit, restez au repos. Ne vous dérangez pas. Le nombre n'est pas encore complet. Plusieurs vont encore mourir pour ces paroles et vont vous rejoindre avant que le jugement ne commence. Les morts ne prient pas. Est-ce que je dis qu'on doit dire aux morts de prier pour nous? Non. Je montre seulement qu'il y a aussi un verset de la Bible qui montre qu'il y a des saints, des âmes qui étaient sous l'autel, pas sur l'autel, qui n'étaient pas dans le sein d'Abraham. Toutes les âmes qui meurent ne vont pas au même endroit. Ça, c'est la Bible. Le mal avec le christianisme actuel, c'est qu'on a emprisonné les gens. On ne veut pas apprendre aux gens à connaître plus que ceux qu'ils connaissent. Parce qu'on dit, vous irez hors de la doctrine. Si ça, je l'ai menti, effacé de la Bible. Mais si c'est de la Bible, pourquoi ne pas commencer à ouvrir les yeux? Le monde spirituel est plus que ce que l'on pense. Dieu, dans la nuée des témoins, peut encore prendre un esprit de quelqu'un qui a opéré avant et l'envoyer dans une mission spéciale. Moi, j'ai vu à l'exemple Heidi Nabala prier pour moi. Moi, Joël Francis Tatou. Le jour où papa Alain Moloto mourait, il y a un chantre que nous connaissons, je tais le nom. Il m'a dit, prophète, j'ai vu Alain Moloto venir et me donner quelque chose. Et me dit, moi je pars, mais voilà la mission que Dieu te donne. Ce n'est pas un ange, c'est son esprit qui est venu faire quelque chose, après il va partir. Est-ce qu'on doit prier pour qu'il vienne nous parler? Non. Est-ce qu'on doit prier sachant qu'elle est... Non, pas du tout. Nous prions Jésus qui est mort et ressuscité. Mais aussi, nous n'oublions pas que la Bible a dit ce genre de choses. Élie et Moïse sont apparus à Jésus avant qu'il n'aille mourir. Élie et Moïse sont apparus à Christ. Oh non, c'est parce que c'était Jésus. Moi aussi, Jésus est en moi. Ouais. Ouais. Dieu est le maître de tous les esprits. Il peut utiliser n'importe quel esprit pour accomplir ses buts. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est là que certains commencent à dire qu'il y a certains esprits qui deviennent des anges. À vrai dire, ils ne deviennent pas des anges. Ils restent des esprits, mais ils peuvent opérer comme des anges circonstanciellement.
Je prends le risque de le dire parce que je ne peux pas nier ce que j'ai vu en vision et ce que la Bible a déclaré. Voilà ce que j'avais à dire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prophète Gratien. Est-ce qu'on peut acclamer sincèrement Dieu? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce dans cette maison? Prophète, ces enseignements sont très lourds et dignes d'une réunion de prophètes. Je pense qu'on devrait vraiment organiser une école de prophètes parce que j'étais là. Ça, il faut vraiment un concile de prophètes. Ouais, concile, yes. En tout cas, prophète, ne soyez pas limité sur ce que vous avez préparé. On est dans le flow, donc coulez avec ça. Prophète, il y a une question qui est revenue depuis la semaine passée. Nous avons reçu cette question de beaucoup d'internautes qui ont été touchés par les enseignements que vous avez libérés ici la semaine passée. Les personnes se posent la question de savoir, géographiquement, ils sont localisés loin de beaucoup de généraux. Beaucoup de personnes vous suivent en particulier, se retrouvent en Europe, dans différents coins du monde. Mais ils se posent la question, il s'agit du manteau qu'on veut recevoir. On a pu identifier ce manteau-là. Mais par le simple fait que nous sommes loin du prophète Joël, est-ce que c'est possible de recevoir un manteau d'un prophète qui est loin, d'un général qui est loin, à distance? Si c'est possible, comment nous devons le faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les préalables pour recevoir cela? Merci. On peut acclamer pour cette question, elle est formidable. Bon, déjà, vous devez savoir, recevoir l'onction et recevoir un manteau. Je l'ai dit ici au préalable, le manteau est une onction, mais toute onction n'est pas un manteau. Le manteau, c'est une onction qui a atteint son paroxysme, ayant été développée tout au long de la vie d'un général de Dieu, et qui devient transférable d'une génération à une autre. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, tu as dit que toute onction n'est pas transférable. Non, toute onction est transférable, oui. C'est ce qu'on appelle l'impactation. Donc, je peux appeler des gens ici, comme je ferai tout à l'heure, je prie pour vous, je vous ai impacté, mais je ne vous ai pas donné le manteau. Non, non. Le manteau qui est sur moi est en train d'être développé. Il arrivera une saison de ma vie où je relâcherai ce manteau. Le manteau se développe tout au long de la vie de la personne, dans le caractère, dans les persécutions, dans l'intégrité, dans l'obéissance et dans le fait d'apprendre les voies du Seigneur. Là, c'est ce qu'on appelle un manteau. Et quand on transfère le manteau maintenant, ah là c'est maintenant, on reçoit le même appel que la personne avait. Je l'ai expliqué dernièrement ici. Donc, comment recevoir plutôt l'onction de quelqu'un qui est loin? Parce qu'on ne peut pas recevoir mon manteau aujourd'hui. Non. On peut recevoir l'onction que j'ai. Parce que l'onction est transférable. Par ce qu'on appelle couramment dans le jargon évangélique l'impactation. Impactation. Est-ce que quelqu'un veut l'impactation aujourd'hui? Amen. Amen. Bon, déjà, par rapport à cette question, vous ne pourrez recevoir l'onction que si vous connaissez le monde spirituel. Come on. Le monde physique, la terre, a des distances. Le jour où j'ai voyagé avec Pat Carva, on est arrivé en Inde. On a réalisé au fait qu'on est toujours sur la terre des humains. Mais on est arrivé de l'autre bout du monde, en Asie, à cause de la distance. Pour arriver à tel endroit, certains utiliseraient la marche. D'autres, à cause de la distance, utiliseraient un vélo, une moto. Un bus, une voiture, pour certains, un bateau par voie fluviale. D'autres utiliseraient peut-être un cheval, un âne, un chameau pour certains. D'autres le TGV, d'autres le tram, d'autres le Thalys, ou bien, il y a plusieurs autres voies. Pour arriver dans un lieu, pour arriver aussi le plus vite possible et dans des meilleures conditions. Parce que sur la terre des hommes, il y a des distances. Dans la distance, pour quitter de là où nous sommes, pour aller où nous voulons aller, nous devons emprunter un moyen de transport. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est différent. Come on. Dans le monde spirituel, quelque chose qui est à l'autre bout du monde peut entrer en contact avec moi si je suis capable d'utiliser un moyen de transport plus rapide que la voiture. Avance, prophète. Un moyen de transport plus rapide que l'avion. Avance, prophète. Si je veux aller à Cap Boto voir Baba Meshach qui était mort et ressuscité, oui, dernièrement il était mort là, il est ressuscité, ça fait peut-être 3 semaines. Il était mort, hein, on a dit il est mort, mais il est revenu à la vie. Papa Meshach, c'est
Nous célébrons, on peut acclamer, nous célébrons l'ancêtre des prophètes, Akab Oto. Si je veux aller vers lui, je dois aller, on m'a montré la voie, je me prépare de même aller le voir, parce que j'aime beaucoup ça. Aller là-bas jusqu'à Kaboto, tout ça, on arrive peut-être à 2 jours, à 3 jours, après avoir quitté ici. Mais je peux aller là-bas aussi en utilisant un autre moyen de transport. Parce que le monde physique et le monde spirituel se diffèrent aussi en fonction de l'espace temporel. Ici, je dois prendre 3 jours, c'est-à-dire 24 fois 3. 24 heures fois 3, n'est-ce pas? Ça me donne le nombre d'heures que j'utilise pour aller jusqu'à Kaboto. Mais dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir avec le temps chronos, 24 heures fois 3. Dans le monde spirituel, on voyage avec la vitesse de la lumière. On voyage avec la vitesse de la pensée. La lumière, scientifiquement, fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Tu n'as pas entendu? Yes. La lumière voyage, fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Je crois que c'est 300 000 kilomètres par seconde. Et même Albert Einstein disait que la lumière voyage même plus vite que ça. La lumière voyage plus vite que ça. Elle ne pèse pas, mais lorsqu'elle voyage, elle voyage plus vite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi on dit que ta parole court avec vitesse? Oh. C'est parce que ta parole est une lumière. La parole voyage à la vitesse lumière. Oh, tu n'as pas entendu. Comment? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Avance. La parole de Dieu voyage à la vitesse de lumière. Les anges sont des lumières. Hein? Ils voyagent à la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi Daniel dit, l'ange, l'homme Gabriel vint à l'heure de l'offrande du soir d'un vol rapide. On parle de la vitesse. Court avec vitesse. D'un vol rapide. Et le vol rapide de Gabriel, c'était à la vitesse de la pensée. À la vitesse de la lumière. Ceux qui pratiquent les voyages astrales vous diront, quand on est dans ce monde-là, on veut voyager, on pense à un endroit et on y est. Même ceux qui ont été dans le Seigneur ravis en esprit, ils savent. Quand on arrive au ciel, on pense à un endroit, on est arrivé là-bas. Parce que la voie de transport... Est-ce que je peux en parler ici? Avance, prophète. Alors, quelqu'un... Je vais entrer là. Alors, quelqu'un peut entrer en contact. La Shabrada Saka. Quelqu'un peut entrer en contact avec l'onction d'une personne qui est lointaine par 4 ou 5 voies. Je vais parler juste de 3. Est-ce que je peux? Avance. Donc, je réponds à cette question. Première voie par laquelle on peut contracter l'onction de quelqu'un qui est loin. Quel est le premier moyen de transport? C'est ce qu'on appelle l'activation de l'aspirateur. Dis à ton voisin, activation. Activation. De l'aspirateur. De l'aspirateur. Je ne sais pas si quelqu'un en direct peut te dire avec moi activation. Activation. De l'aspirateur. De l'aspirateur. Il est écrit dans la parole de Dieu, aspirez aux dons les meilleurs. Yes. Un don spirituel n'est pas donné que par la souveraineté de Dieu. Le don spirituel est aussi donné par la capacité de celui qui la désire à d'activer l'aspirateur en lui. Est-ce que je peux avancer? Donc, prophète Joël, je peux être à Kinshasa, j'aspire au don de Baba Meshach à Kaboto, oui. Et je le reçois. Et tu le reçois. Pourquoi? Parce que si je branche l'aspirateur ici et qu'il y a un sachet, un papier ou la poussière là-bas, l'aspirateur n'est pas là où il y a la poussière, n'est pas là où il y a le papier, n'est pas là où il y a le sachet, mais la puissance d'attraction qui y a dans l'aspirateur est capable d'attirer quelque chose qui est loin, Karabashaka. D'attirer quelque chose qui est loin, là-bas. D'attirer quelque chose qui est loin, jusqu'à entrer dans l'aspirateur. Il est possible que tu me suives là où tu es, ou que tu sois assis ici. La même onction qui est sur moi, entre sur toi. Parce que tu as été capable d'activer l'aspirateur. Que celui qui aspire reçoive. Amen. Ah, toi qui viens là, lève les mains. Reçois au nom de Jésus. Derrière lui. On appelle ça la puissance de l'aspirateur. Nous désirons une génération des aspirateurs. Ah, tout le monde n'ira pas voir Benny Hinn à Orlando. Tout le monde n'ira pas voir Dagmaïs au Ghana. Tout le monde n'ira pas voir Baba Meshach à Kaboto. Tout le monde n'ira pas voir les Kabasobra là-bas. La Bishop Duncan Williams ou bien au Ghana.
tout le monde, les parabashaka, les prakou parayabase, les pariabasoko, tout le monde n'ira pas voir ces hommes de Dieu dans leur pays. Mais là où vous êtes, même devant leurs livres, même devant leurs vidéos, même devant leur site internet, tu peux tellement aspirer à quelque chose que ton aspirateur activé peut attirer. Ce soir, attire l'onction, attire les dons spirituels, attire l'intelligence, attire la sagesse. Aspirez aux dons les meilleurs. Dis avec moi, aspirateur. Aspirateur. Dis avec moi, aspirateur. Aspirateur. Regarde l'onction de la salle ici. Dis avec moi, aspirateur. Aspirateur. Jésus, le dernier jour de la fête, a dit, venez à moi, vous tous qui avez. Venez à moi, vous tous qui avez. La soif est l'aspirateur qui peut prendre ce qui est au loin dans le monde spirituel et lui donner un moyen de transport rapide, une livraison à domicile. L'aspirateur est plus rapide que DHL. L'aspirateur est plus rapide que la 5G. L'aspirateur est plus rapide que l'internet. Oh la paya. L'aspirateur est plus rapide que Wi-Fi direct. Yes. L'aspirateur est plus rapide que Xander. Yes. L'aspirateur peut prendre ce qui assure quelqu'un que tu apprécies, que tu honores, et ça vient dans ton ministère. Reçois cela. Amen. Oh le jeune homme, devant-moi ici. Reçois. Aïe aïe aïe. Retournez-le. Reçois. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Aïe. Quelle onction. Aïe. Reçois. Merci, Jesus. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Nahanta plaidera. Les paillassas, est-ce que les aspirateurs sont là? Est-ce que les aspirateurs sont là? Le bishop Dag Mice du Ghana lisait un livre de Kenneth Hagin. Il a tellement désiré cette grâce. Jésus lui a dit par voix audible, la grâce que cet homme a eu d'écrire, je te la donne. Et il a aujourd'hui écrit plus de livres que David de son vivant. Il est possible que tu reçoives la grâce d'un général qui est vivant par ta capacité à honorer, ta capacité à célébrer, ta capacité à aimer, ta capacité à désirer. La convoitise est mauvaise, mais un seul endroit où la convoitise est permise, c'est dans les choses spirituelles. Come on. La convoitise est un péché, mais il y a un milieu, il y a un secteur dans lequel la convoitise est permise, c'est dans les choses spirituelles. Avance, prophète. Ouais, tu peux désirer ce que quelqu'un a. Avance, tu peux aimer prophète. Ce que quelqu'un a. Tu peux apprécier ce que quelqu'un a. Le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dis-moi un amen plus fort. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Amen. Donne-moi un amen plus fort. Amen. La deuxième voie, le deuxième moyen de transport, c'est la plus grande loi de toutes les lois de l'univers. Come on. Oui, dans le monde du moyen de l'ésotérisme, dans le monde de quoi, de New Age, on appelle ça la pensée positive. Come on. Parce qu'ils savent que peu importe qui tu es, tu peux attirer tout ce que tu veux avoir au travers de cette loi. Mais l'opposé de cette loi, dans le royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle F-A-I-T-H en anglais, F-O-I en français. Foi. Come on. Dis avec moi la foi. La foi. Dis encore la foi. La foi. Oui. Si cela est impossible, non. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Yes. Frère, nous sommes arrivés à une époque où Élie a déjà fait tomber son manteau. Tout le monde passe par là, mais personne n'a l'audace et le courage d'enlever son manteau et de porter le manteau d'Élie. Baisse un peu le sang que je dise quelque chose ici. Quand j'ai commencé les réunions de la MAPRE, je n'étais pas le plus loin de ma génération. Je n'étais pas le plus puissant de ma génération, mais j'étais le plus audacieux de ma génération. Il y a un moment où, quand Élie n'est pas là, le leader n'est plus là. Il y a un moment, quand Élie n'est pas là, le père n'est plus là. Et entre le moment où Élisée a pris le manteau et le moment où Élie a laissé le manteau, il y a ce qu'on appelle une crise juridictionnelle. Oui.
il y a une chaise vide. En politique, on appelle ça une transition. La chaise est vacante. Il y a un moment où un général laisse quelque chose, une génération prend la chose. Mais entre cette période-là, il y a un temps vide. La différence qui se fera réside dans l'audace que quelqu'un a. De dire cette histoire-là, ce n'est pas pour les autres fils de prophètes. Cette histoire-là est pour moi. La capacité de retirer le passé et de prendre le nouveau, de le porter et de dire le même Dieu qui a ouvert l'eau du Jourdain va le faire avec moi. Et de faire ce que le Père avait fait et de voir les résultats qu'il avait vus. Notre génération a un problème. L'onction est là, les manteaux sont là, mais on n'a pas des hommes courageux. On n'a pas de femmes courageuses. Je n'ai pas plus de foi que tout le monde. Mais j'ai le courage de la foi. J'ai l'audace de la foi. Je vois un homme de Dieu faire un miracle. Il prie et les jambes poussent. Je dis, moi aussi je ferai ça à la prochaine réunion. Je prie et les jambes poussent. J'ai vu le prophète Hubert faire le miracle money. Je dis, non, non, moi aussi je prends le manteau. Frère, le monde spirituel, c'est un monde de la foi. Je suis à Lubumbashi. À Lubumbashi dans une salle. Je priais pour les gens. J'ai dit, ah, j'ai envie de faire apparaître de l'huile dans les mains ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à Bouchiri. J'ai vu une vidéo de Bouchiri. Il priait, l'huile coulait des mains des gens. J'ai dit, moi, je n'ai pas encore vu ça vraiment, vraiment. J'ai pris mon esprit. J'ai connecté à l'esprit de Bouchiri. Et je dis, ce qu'il a fait là, je le fais aussi. Et quand j'ai déclaré, l'huile va apparaître maintenant. Ceux qui étaient le machin avec moi le savent. L'huile apparaissait aux mains des pasteurs. 2015, tout le monde a vu ça. Pourquoi? Le courage de la foi. Le courage. Est-ce qu'il y a dans cette génération des jeunes qui sont courageux? C'est vrai, il y a des ailes amères. C'est vrai, il y a des rebelles qui osent n'importe quoi. Ils sont pressés. Mais moi aussi, j'ai commencé jeune. Je ne dirais pas toujours aux jeunes, attendez. Il y a un moment où on peut attendre. Mais même avant acte 1, verset 8, même avant acte 2, verset 1, 33 ans, ils allaient quand même chasser les démons. Oui, même en attendant la licence ou le graduat, on vous donnera les travaux pratiques. Personne n'a le droit de vous dire attendez pour attendre. Même si j'attends le temps de l'accomplissement, je ne croiserai pas les bras. Je prierai pour les malades. Il nous faut une génération qui est courageuse et audacieuse. Je suis l'un des jeunes de ma génération qui a vu le plus de miracles dans ma génération. Pourquoi? Pas parce que j'ai plus d'onction, mais parce que je me suis dit, ce que ces gens-là ont fait, je veux le faire. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Un jour, j'avais en face de moi une femme qui avait un kyste. J'ai dit, l'histoire de kyste, ce n'est pas mon histoire. J'ai dit, ah, prophète Philippe Moukoma, fait disparaître le kyste. J'ai pris mon esprit. J'ai connecté mon esprit à son esprit. J'ai dit, la grâce qu'il a, je l'emprunte maintenant. Come on. Come on. La grâce qu'il a, je fais quoi? Je l'emprunte. Tiens, ton voisin, dans le monde spirituel, tu peux emprunter une grâce. Dans le monde spirituel, tu peux emprunter une grâce. On dit amen bien. Dis dans le monde spirituel. Tu peux emprunter une grâce. Tu peux emprunter une grâce. J'ai touché la femme, le kyste a disparu. Pourquoi? Dans le monde spirituel, je peux prendre ce qu'il y a à quelqu'un, je l'utilise et puis je le rends. On le dit amen. Amen. On le dit amen. Amen. Non, dis amen bien que je t'entende. Amen. Je prophétise sur quelqu'un ici. Rien ne te sera impossible. Amen. Je dis rien ne te sera impossible. Amen. Je dis rien ne te sera impossible. Amen. Même si ce n'est pas ta grâce, ça peut opérer à toi en moment là. Si tu actives la foi, que ce que Dieu fait avec l'un, il peut le faire aussi avec moi. Donne-moi un amen très fort que je t'entende. Amen. Je parle à cette génération. On va vous dire d'attendre, oui. De patienter, oui. Mais ne patientez pas les bras croisés. Dieu est capable de faire avec toi. Le premier mort que j'ai ressuscité, j'avais 19 ans. Oui, j'avais 19 ans. Mon petit frère témoin, ma mère témoin, l'évangéliste non témoin, pasteur Paul témoin. À l'église Déborah, j'étais modérateur à l'église. Karamaroko Bosoko. Amen. J'étais modérateur à l'église. Un simple modérateur. Qui vous a dit que l'onction n'entrera que quand l'homme de Dieu entrera? Qui vous a dit que l'onction entrera que quand le prédicateur du jour entrera? L'onction peut passer par un protocole. L'onction peut passer par un compteur d'argent. L'onction peut passer par un spawn de sécurité. L'onction peut... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Viens avec moi, power. Power. Je suis allé à la permanence.
quand l'homme de Dieu faisait le service, alors que je n'étais que modérateur, on a emmené un enfant qui était mort en plein culte, 19 ans s'il vous plaît, 19 ans encore à l'école secondaire. J'ai regardé cet enfant, tout le monde priait et pleurait. La mère pleurait, l'enfant était mort, mort. Un médecin était là, l'enfant était mort, 19 ans. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, je ne serai pas intimidé par les frères de David. Qui vont te dire, tu es trop jeune, tu es trop audacieux, tu es trop courageux, aux alabazés, à la banne à boudin. J'ai dit, jamais de la vie. J'ai dit, donnez-moi cet enfant. Et la, maman Jeanne, au Kitembo, qui est aujourd'hui aux États-Unis, m'a dit, donnez-lui l'enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai entendu Ézéchiel 37. On m'a dit, souffle trois fois sur l'enfant. J'ai soufflé. J'ai soufflé. J'ai fait. Les doigts de l'enfant ont commencé à bouger. L'enfant a repris vie en plein culte au ministère international Déborah. Ceux qui sont là le savent. J'avais 19 ans. Pourquoi? La foi. Rien n'est impossible à Dieu. Même si le prophète est loin de toi, si tu actives la foi, ce qu'il y a en lui peut venir vers toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi que Amen. Dieu peut passer aussi par lui? Yes. Est-ce que quelqu'un a la foi que Dieu peut aussi passer par lui? Yes. Lève-toi, dis Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Dis Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Dis Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Même si ce ne sont pas les gens de grâce qui te ressemblent à toi, tu peux court-circuiter l'onction. Ah, nous les Congolais, nous connaissons ces choses. Ah, des fois qu'on n'a pas de courant à la maison ou dans le quartier, il y a quelques agents qui vous diront, viens, on va faire un pont. Yes. Viens, on va faire un pont. Le courant part là-bas, mais vous pouvez avoir le courant à l'est, alors que le courant part à l'ouest. Mais si on peut acheter un câble, et on peut créer un pont, le courant qui va là-bas peut aussi venir chez vous, alors que normalement, le courant était parti chez vous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux prendre n'importe quelle grâce en esprit, si tu es capable d'acheter un câble et de créer un pont. La femme à la bacha, la femme à la perte de sang, est-ce que je peux prophétiser? Avance, prophète. À la perte de sang, était à la maison. Et Jésus ne l'avait même pas mis dans son agenda, même pas mis dans son plan. Jésus allait guérir la fille de Jairus. Alors que Jésus allait là où il devait aller pour aller mettre le courant à l'ouest. La femme a dit, moi je suis à l'est. Mais je vais emmener le courant à l'est parce que je vais créer un pont. Yes. Est-ce que quelqu'un peut créer un pont ce soir? Yes. La femme a pris le câble. La Paris Abassa. Lorsqu'elle a branché le câble, Jésus a dit, qui m'a touché? Ah, ce n'était pas prévu. Cette puissance était pour la fille de Jairus. Qui m'a touché? Cette femme avait mis un pont. Et quand Jésus l'a vu, il a dit, va, ta foi. Oh my God. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Amen. Même si un homme de Dieu est déjà mort, une femme de Dieu est déjà morte, un homme de Dieu est loin de toi, tu n'as pas le transport ni le billet pour aller vers lui. Par la foi, tu peux recevoir. Yes. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Yes. Yes. Je suis béni par la grâce qui est sur Adabasha, Adabasaka. Alors, il y a une question qu'un internaute a posée. Oh. Il a dit, la fois passée, le dimanche, vous avez dit que Baba Meshach, l'ancêtre des prophètes, a dit que lorsqu'il mourrait... Excuse-moi, la deuxième rangée, première rangée, deuxième rangée, venez. Première, deuxième rangée. Venez, montez, vite. Montez, 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 montez. Touch in Jesus' name. Woo! Power. Reçois. Dis avec moi power. Power. Dis encore power. Power. Lève les mains, reçois. Jesus. Que ceux qui assument viennent sur toi, viennent sur toi. Acclamez très fort. Est-ce que les hommes et les femmes spirituelles sont là? Yes. La rabacha. Viens, relève-le, relève-le, relève-le. Donne-moi mon gilet. Amenez-le ici. Est-ce que quelqu'un est dans l'esprit ici? Je vois 340 personnes sur Facebook être touchées. Parmi les plus de 600 personnes, on est à combien? On a combien? On a 700? 700 quelques. Ok, partagez. Parmi ces personnes-là, il y a 340 personnes qui reçoivent le manteau maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela.
Regardez, on saute partout ici. Antichambre rouge là. Reçois. Touch. Wow. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Yes, question. Merci, prophète, pour la parole. Alors, tout à l'heure, vous venez d'évoquer l'ancêtre des prophètes, Baba Meshach. Le dimanche passé, vous avez dit que Baba Meshach avait dit que lorsqu'il mourrait, son manteau ira vers le Rwanda. Alors, ma question est celle-ci. Comment faire pour que comment y remédier pour que le manteau de cet homme de Dieu, à sa mort, n'aille pas au Rwanda, mais reste dans la nation? Voilà ma question. Ok, il faut créer le pont. En tout cas, il faut qu'il y ait des personnes au Katanga, au grand Katanga. Il faut qu'il y ait des Congolais qui ont appris ce que je viens de dire, qu'ils s'organisent. Moi, je m'organise pour aller voir Baba Meshach. Je m'organise pour aller voir la Papa Kelani parce qu'il va bientôt être avec le Seigneur. Dieu m'a dit d'aller le voir. Et Baba Meshach, on doit le voir. On doit le voir pour l'honorer. On doit le voir pour le célébrer et le demander d'ouvrir son cœur pour le Congo. Même si son manteau pourra aller en partie au Rwanda, que la grande partie reste ici. Parce que c'est un fils du pays, c'est un Congolais, il a prié ici et le monde entier vient ici pour le rencontrer. Donc nous devons créer un comité. Je parlerai avec son petit-fils, le prophète Jogras, pour qu'on voie comment y remédier. On doit aller voir cet homme pour lui dire si notre pays l'a blessé, s'il y a quelque chose que nous avons fait pour ne pas l'honorer à sa juste valeur. Entre nous aujourd'hui, il y a plusieurs pages sur Facebook qui parlent d'un homme qui s'appelle Baba Lola. Cet homme est comme le père du réveil au Nigeria. Avant à Benson Idahosa, avant Gabriel Oduyemi, avant Tibi Joshua, avant Enoch Adeboye, avant David Oedepo, avant Mike Okonkwo, avant tous ces généraux de Dieu, cet homme a existé vers les 1930 ou 40. C'était même à l'époque où des hommes comme Simon Kimbangu opéraient ici dans notre pays. Mais regardez comment ils sortent ces histoires. Ils écrivent des livres, ils font des vidéos et tous leurs généraux parlent toujours de Baba Lola. Tous ces jours-ci, tout le monde parle de Baba Lola. Comment il priait, comment il a mené les réveils, comment il a bâti. Mais est-ce que nous connaissons même Baba Meshach? Notre pays oublie le passé. Voilà pourquoi il n'a pas de futur. L'église de ce pays a tellement oublié le passé, les acteurs du réveil du passé, qu'on n'a pas de futur. Une nation qui oublie le passé n'a pas d'avenir. Pourquoi Dieu, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit dans Acte 6, Acte 3, Acte 15, vous allez voir dans chaque livre là, Dieu racontait toujours l'histoire, comment il a commencé avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec David, avec Israël. Pourquoi Dieu raconte l'histoire? Parce que les prophètes sont des historiens. Il n'y a pas de futur quand il n'y a pas de passé. Et il faut aujourd'hui, pour ne pas perdre cette onction, on doit avoir le courage de s'organiser. Il ne faut pas être endormi ou bien kidiba, comme on dit en lingala. Hein? Vous êtes distrait. Il faut être éveillé. On est dans un pays prophétique comme le Congo. Baba Meshach dit que son manteau ira à Kigali, au Rwanda. Et nous, on prend ça normal. Et un jour, il meurt, on va commencer à poster, oh, l'ancêtre est mort. Non. Moi, je m'organise pour partir. Vraiment, dans quelques jours, là. Je vais aller même à pied. Je vais aller pour voir cet homme afin qu'il me mette la main dessus et qu'on puisse l'honorer. Je le parlerai même en langue, en esprit. Je dirai, Baba Meshach, ouvre ton cœur. Bénis ta terre. Bénis ton pays. Libère quelque chose sur cette nation. J'irai faire l'intercesseur. Ce que je peux dire, c'est que lui n'est pas encore mort, il est là. Et il faut que les hommes de Dieu du Haut-Katanga qui m'entendent, les hommes de Dieu de ce pays, arrêtez de take for granted. Vous savez, le Congolais, le francophone, des fois il prend gratuitement. Les gens paient des avions pour voir certains serviteurs de Dieu ici. Mais toi tu es là, tu trouves ça normal. Daddy, prophète. On a l'habitude de désacraliser le sacré. Voilà pourquoi on est prêt mais on est éloigné. On est perdu dans la maison de Dieu. Et on rate des choses comme ça, comme Jérusalem qui n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée. Le Congo est visité d'avoir des hommes d'une aussi grande envergure. On doit aller créer des ponts afin que ceux qu'ils vont donner ailleurs soient aussi donnés et en grande partie sur leur propre terre. Ok, merci prophète. Nous sommes vraiment bénis. En fait, il y a une question qui s'est posée et qui continue à se poser. On a dit, on a vu votre affiche des généraux des dieux. On a vu, vous avez affiché autant d'hommes des dieux. Mais
la plupart des Congolais se posent la question, est-ce que le prophète Simon Kimbangu est-il un général de Dieu et pourquoi il n'a pas été repris dans cette affiche? Pourquoi il n'est pas souvent repris? La plupart, dans l'histoire du réveil du Congo, très rarement, on parle du prophète Simon Kimbangu. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons une mentalité maudite. Ouais, c'est un signe de malédiction. Je suis l'un des rares prophètes de ma génération qui reconnaît le prophète Jacques Sikatenda. Et je le dis haut et fort, le prophète, l'apôtre Sikatenda, fondateur de l'Église du Dieu vivant, était un vrai prophète de Dieu. Et je le dis à qui veut l'entendre. Parce que j'ai eu le témoignage de l'esprit du pasteur Baruti, général Sonny Kafuta. Lorsqu'il est mort, tous ses grands ont parlé de lui comme étant un fils de Nzame Malamu et un homme qui avait eu un appel mais qui était juste incompris par la manière d'exprimer, par son expression du ministère. Je suis aussi l'un des rares, je le reconnais moi-même et je le dis haut et fort, qui parle de Simon Kimbangu. Lorsqu'on a fêté le centenaire, c'est le centenaire? Le centenaire, j'ai pris la photo. J'ai posté sur ma page Facebook. Combien de gens ont vu ça? J'ai posté pour honorer le prophète et l'apôtre Simon Kimbangu, le prophète de l'Afrique, le prophète des Noirs, le prophète de la RDC, le père de tout ce qu'on connaît comme mouvement prophétique. Avant que Branham ne soit ce qu'il est, Simon Kimbangu travaillait. Avant Sadhu Sudar Singh, cet homme travaillait. On célèbre les autres, mais on ne veut pas célébrer le nôtre. Simon Kimbangu était un vrai prophète de Dieu. Je ne parle pas des ismes. Après chaque héros de la foi, ceux qui viennent après créent des légendes, même des fois des mensonges, des exagérations, des modifications de l'histoire. Je ne parle pas des ismes qui viennent après. Je parle des hommes lors de leur vivant. Il y a beaucoup d'ismes. Il y a beaucoup d'ismes. Autour de Luther, on crée des ismes. Autour de Branham, je ne parle pas des ismes. Je parle des hommes de leur vivant qui ont aimé Jésus et qui ont servi Dieu. Pas de ce que les autres font après. Parce que ce qu'on fait après, il y a des bons et des mauvais. Et il y a beaucoup de légendes qu'on regarde. Il y a même des témoignages, des choses qu'ils n'ont même pas fait qu'on invente. Juste pour les mettre sur un piédestal. Simon Kimbangu est un vrai prophète de Dieu. Et moi je prie, quand je prie dans ma chambre de prière, le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Kimpanvita. Oui, je suis Congolais, mon sang est Congolais. Avant moi, il y a des hommes qui ont prophétisé ici. Il y a des personnes qui ont annoncé les oracles de Dieu ici. Ils n'étaient pas forcément dans la peau des chrétiens, mais c'est Dieu qui les avait suscités. Pourquoi je n'ai pas mis Simon Kimbangu? Hein? Parce que les photos que l'on a mis là sont les photos des généraux qui sont morts récemment. Toutes les photos, c'est ceux qui sont morts minimum les 10 dernières années. Parce que si on doit aller plus loin, on va mettre beaucoup plus de visages. J'ai pris seulement les images des hommes de Dieu que l'on connaît qui sont morts récemment. Parce que le thème, c'est lorsque les généraux s'en vont. Les gens peuvent se rappeler facilement de ceux qui viennent à peine de partir que ceux qui sont partis depuis. Mais sinon, Simon, je prépare derrière une grande photo de lui que je vais mettre chez moi dans ma chambre de prière. Où on voit cet homme habillé avec des babouches, un prophète de Dieu. Un homme qu'on a arrêté, on vient le voir, là on l'avait déposé, il a disparu. C'est les choses que Sadhu Sudar vivait. Et Sadhu Sudar Singh est celui qui a impacté Gaston Vernon. Gaston Vernon est allé au Gabon, il était missionnaire. Il a mis au monde un enfant qui s'appelle Jacques-André Vernon. Et Jacques-André Vernon, au Congo, il a commencé les églises de la borne. Il a mis au monde Alf Lukao, qui est mon père spirituel. C'est la même lignée dans laquelle nous opérons. La lignée des signes, des prodiges et des miracles. Et Simon Kimbangu est le père des thaumaturges. Il est le père des thaumaturges. Il est le père des voyants. Le père des... Ici, en Afrique, je ne connais pas. Il n'y a pas eu un prophète en Afrique comme le prophète Simon Kimbangu. Les choses qu'il a prophétisées, c'est les prophéties comme ce qu'on dit de Nostradamus. De 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, il a prophétisé sur les élections, les chefs d'État.
qui a prophétisé comme cet homme-là? C'est les prophètes à la carrure d'Ésaïe, à la carrure d'Ézéchiel et de Jérémie. Nous célébrons la mémoire du prophète Simon Kimbangu. On va acclamer très fort. Un serviteur de Jésus-Christ. Nous étions au Bas-Congo. Même ceux qui sont, mettez-vous, ceux qui sont originaires du Bas-Congo vous diront, cet homme évangélisé, cet homme prié. On est allé à Zongo ici, on a commencé à nous expliquer, Papa Simon Kimbangu priait ici. Papa Simon Kimbangu a changé le nom de ce village parce qu'il a gagné les gens, les âmes ont abandonné l'idolâtrie. On a changé le nom et même cette rivière porte le nom. Non, c'est extraordinaire. On dit quand il voulait aller évangéliser, il passait par les chutes de Songo. Il priait là, il entrait dans les cavernes et puis il allait évangéliser. C'était un serviteur de Jésus-Christ. Les ismes, je respecte leur isme, mais je respecte plus le prophète qui a vécu et qui a servi Dieu de son vivant. Voilà ma réponse. Merci Dad. Le temps nous est imparti. Votre mot de la fin par rapport à ce merveilleux thème. Il est temps d'avoir le courage de ramasser le manteau d'Élie. Oui. Il est temps de ne plus avoir peur. Dans Matthieu, vous allez voir, Christ parle de cet homme qui a passé en revue tous ceux à qui il avait donné des talents. Et le tout dernier, il appelle et lui dit, « Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné ?» Écoutez sa phrase, il dit, « Maître, j'avais eu peur. » Pourquoi ? Parce que tu es un maître très difficile. Tu m'as semé là où tu n'as pas semé. Ta manière de procéder est très compliquée. Il a dit, mais même si tu ne voulais pas utiliser, tu aurais pu donner ça à un banquier. Parce que ce que je cherche, ce ne sont pas tes analyses de comment je fonctionne. Ce que je cherche, ce sont les intérêts, les profits de ce que je t'ai conféré. Maître, j'ai eu peur. Smith Wigglesworth, l'apôtre de la foi, disait ceci. Il disait, fear paralyzes and faith jumps. La foi bondit, mais la peur paralyse. Nous avons une génération des hommes et des femmes paralysés par la peur. La peur du camp dira, que dira-t-on? Que penseront-ils de moi? La peur d'être exclu des synagogues, la peur de ne pas être accepté par les confédérations, la peur d'être pris comme un hérétique, la peur d'être traité comme un occultiste, la peur d'être traité comme quelqu'un qui n'est plus dogmatique, la peur d'être traité comme quelqu'un qui est magicien. Béni soit le nom de l'Éternel, parce que j'ai vaincu cette peur depuis des années. J'ai vaincu cette peur depuis des années. Et c'est cette peur que notre génération doit rejeter. Les gens ont peur. Dieu te dit, prophétise, tu as peur. Dieu te dit, femme, prêche, tu as peur. Dieu te dit, prie pour ce mort, tu vas dans un deuil et tu as peur. Les dons spirituels se manifestent par la foi et s'expriment par la charité. Aucun don spirituel ne s'exprime sans la foi. Oh prophète, j'avais une parole de connaissance. Moi aussi j'avais su que cet homme avait un père qui était mort. Mais j'aurais dû le dire, la parole de connaissance ne devient parole de connaissance que quand la parole a fait sortir la connaissance. Oui. Tant que tu la gardes en toi, ce n'est pas la parole de connaissance. Oh, tu n'as pas entendu. Le don de guérison n'est pas le don de guérison parce que ta main tremblait. Le don de guérison est le don de guérison parce que tu as imposé la main et la personne a été guérie. La parole de sagesse n'est pas la parole de sagesse parce que tu avais une sagesse en parole. Elle devient parole de sagesse quand tu ouvres la bouche et que tu parles. Et ça, ça demande la foi. Parce que tu dois risquer de donner un nom, un numéro de téléphone, d'écrire une situation dont tu n'as aucune évidence. Les dons spirituels s'expriment par la foi. L'onction s'active par la foi. Le réveil s'active par la foi. Frère, les intercesseurs ouvrent le ciel, mais les acteurs libèrent la pluie. Tu n'as pas entendu? Si le réveil est semblable à la pluie et que nous prions pour que la pluie du réveil descende, la pluie de l'arrière-saison, apprenez ceci. Les intercesseurs ouvrent le ciel, mais ce sont les acteurs qui font tomber la pluie. Les intercesseurs prient pour prédisposer l'atmosphère spirituelle.
mais ce sont les acteurs qui font tomber la pluie du réveil. Pourquoi on n'a pas écrit les paroles des apôtres après le livre de Jean? Pourquoi on n'a pas écrit l'histoire des apôtres après le livre de Jean? On a écrit les actes des apôtres parce que les apôtres agissaient. Une action vaut mieux que mille intentions. Nous sommes à un temps où il y a un vide juridique. Un manteau est tombé et il y a des gens qui regardent que je prenne, que je ne prenne pas. Je ne suis pas digne, mon passé, mes péchés, mes erreurs. Dieu n'a que faire de ton passé. Dieu ne cherche pas un homme parfait, mais un homme disponible. Dieu ne cherche pas une femme qui a un CV parfait, mais une femme qui a un cœur disponible. Qui peut dire à Dieu, tel que je suis, avec mes faiblesses, mon passé, mes péchés, mes insuffisances, si tu n'as rien à utiliser, prends même le rien que je suis. Il faut des personnes audacieuses. L'année prochaine, je vais évangéliser Kinshasa. Je vais gagner les âmes comme jamais je n'ai gagné de toute ma vie. Pourquoi? Il faut des hommes qui vont agir. Le temps de trop parler est révolu. C'est le temps de passer à l'action. L'enlèvement de l'église est un événement imminent. Les sept sceaux sont des événements imminents après l'enlèvement. La pluie de l'arrière-saison est réelle, elle va tomber avant que Jésus ne revienne. Le jugement dernier existe. Jésus jugera les morts et les vivants. La mort et le séjour des morts et les impies iront dans les temps de feu. On ne peut plus continuer à vivre l'évangile comme en venant à l'église, comme si c'est un moussiki. On doit avoir la conscience de la responsabilité de cette génération. Et c'est le temps où des hommes et des femmes doivent dire, si personne ne prend le manteau, moi je le prends. Si personne n'ose faire quelque chose, moi je vais oser. Et Dieu prendra le manteau, te le donnera à toi. Pas parce que tu étais le plus éligible, mais parce que tu étais le plus sensible. Pas parce que tu étais la plus éligible, mais parce que tu étais la plus sensible. Tu as lu les temps et les saisons, tu t'es dit, je m'élève comme Déborah. Alors qu'aucun homme en Israël ne pouvait faire quelque chose. Tous les hommes dormaient et avaient peur. Je me suis levé, moi Déborah, comme une mère en Israël. Est-ce qu'on a des femmes qui peuvent s'élever? Des femmes qui peuvent bien s'habiller, avoir l'argent, mais ressusciter les morts. Tumba Shaoum a ressuscité les morts au Congo. On a besoin de nouveau Edi Nabala. Et moi j'ai décidé, je ne vais pas aller au ciel tant que je n'ai pas pris le manteau de Tel Osborne, le manteau de généraux, et je n'ai pas continué avec. Et si quelqu'un est prêt à être disponible, si quelqu'un est prêt à être audacieux, tu verras Dieu faire avec toi des choses dont tu n'as même pas idée. Et ce moment, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. En 5 minutes, quelque chose va tomber dans la salle. Et sur ceux qui sont là, et sur les protocoles, même dans les médias, ou à la maison, même à l'extérieur, les gens qui sont devant là, la puissance va les ramasser. Même dans les maisons qui sont autour de nous ici, l'onction va tomber partout ici. Est-ce que quelqu'un peut crier? Crier pour la puissance. Je ne suis pas parfait, mais je suis disposé. Je n'ai pas fait la théologie, mais je suis disposé. Je n'ai pas fait l'école biblique. Je n'ai que 2 versets avec moi, mais je suis disposé. Est-ce que quelqu'un peut crier pour le réveil? Ah, je ne sais pas si tu veux être allongé, tu veux être debout, tu vas te jeter à terre. Mais j'aimerais voir à partir de l'autel jusque là-bas, tout le monde en train de crier à Dieu. Aïe. Aïe. La saga aya 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 aya
Aïe! Aïe! Crie à l'Éternel! Crie à l'Éternel! Parle à l'Éternel! Crie à l'Éternel! Parle à l'Éternel! Crie à l'Éternel! Parle à l'Éternel! Crie à l'Éternel! Aïe, 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 aïe! You are Abba, Shabba. Là, vous êtes en direct. La puissance de Dieu vient. La puissance de Dieu va se déferler en ce lieu. Aïe, 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 aïe. Quelque chose se passe à l'atmosphère. 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 Aïe, 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 aïe. Quelque chose se passe à l'atmosphère. Quelque chose descend de l'atmosphère. Baisse le son. J'entends l'esprit me dire, Joël, le prix de la solitude. L'esprit de la prophétie me dit le prix de la solitude. La dimension dans laquelle on entre va t'imposer une grande vie de solitude.
Jérémie dit, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Car ta main me remplissait d'effroi et de terreur. À cause de ta puissance, je m'asseyais solitaire. La puissance qui vient vers toi et qui va s'exprimer en public doit s'entretenir en secret. La puissance qui va éclater par toi en public va se renouveler dans le secret. Va s'enflammer dans le secret. Les temps de jeûne personnel, de prière personnelle, d'abnégation et de sacrifice. Ce qui va arriver est au-delà de ce que nos pères ont vu. Même Adina Bala Simon qui manque de leur vivant n'ont jamais vu un tel déferlement de la puissance de Dieu. Même Paul et Pierre à son époque n'ont jamais vu une telle démonstration de l'esprit et de la puissance. Mais il faut des hommes et des femmes remplis de courage qui vont accepter de payer le prix de la solitude. Cherchez Dieu. Priez à genoux durant des heures. Allez dans les grottes et les montagnes, s'enfermer sans manger ni boire, et chercher la puissance des siècles à venir. La pareko tabayasa. Pendant 60 secondes, prie en langue. Il y a une brèche de 60 secondes, prie en langue. Plus fort. 50. La kababa sopra, libria bababa shite, mandia bababa hosa, le kayabadovo chandereya, la supra de akalabesha, la sataria bababa, pa la supra de akineya, pa la kalia bababasha, pa le supra de andele hosa, la duka baya bababasha, pa le anama mando robokoto, le kudria na mahaze, libria kababa shandaraya, pa la dakaba sopra, libia shandaria bababasha. Pela da baba baba sa pala baba baba shaya pala da baba baba sa pala da baba sa likramana ya baba shanda la sobregia da baba baba la scadera baba sha pela baba baba la gadia da baba Andrea da la bahata la pradia da baba kasha alia da baba sura de la bossa kiliana da bahata la bossa palania na la bahosa palania na la bahosa la gadia baba baba sha pala sopa de la palania na la bahata pela gia da baba sura da baba kasha pala na la bahata liana na la bahosa pla le gadia da baba sha pala da baba sa pala da baba sa e pala da baba sa le bana mahata e chi ti tutta mai e chi ti tutto mai e tutta la mai soka. Lève les mains et commence à recevoir. Ce soir, je vais libérer de l'esprit qui est sur moi. Je vais libérer de l'onction qui repose sur moi dans l'assemblée. Ce ne sont pas les plus éligibles, mais les plus sensibles qui vont recevoir. Même si tu n'es pas de cette église, tu vas recevoir quelque chose. Ça ne dépend même pas de si je commence à prier, mais de ta capacité à activer l'aspirateur. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. L'onction est libérée ici. Les anges, les lumières, les esprits. Aïe! Quelle puissance! Je vois un aigle sur sa tête. Il y a des gens ici, à la place de la tête, je vois la tête de l'aigle. Ce sont les prophètes. Père, où sont les prophètes? Père, où sont les prophétesses? Père, wapi bampongo?
Tata, wapi bampongo? Tata, wapi bampongo? Tata, lobi baza en nombre de 50. Pe bazo yamba et parkwa bampongo siko. Reçois. Même en direct, reçois. Aïe, aïe, aïe. Wow. Enlevez les salons. La rabasha. Change de prière en langue. Change de langue. Change de langue. Mighty power of the Holy Spirit. Mighty power of the Holy Ghost. La brasha tayaba. La stebreana la basuti. Ria gia baba. Ria nana mahaza gava. Ce soir, tu vas recevoir quelque chose. Je ne suis pas seul sur l'autel. Il y a des esprits, des saints ici. Il y a les manteaux des généraux avec moi ici. J'ai honoré leur onction durant 3 semaines. Et je l'ai fait toute ma vie. En honorant le manteau même de ceux qui sont morts. Même le Dieu sur son trône est en train de m'accorder la faveur de me connecter à leur grâce. Me voici dans le secret. Boum, on y va, c'est parti. Augmentez le son. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt? Faites-moi monter tous ceux qui sont devant ici. Faites-moi monter. Sala,
Vamos, los sopra de acá, la que da baba Et il priait pour lui. Je l'ai appelé, je l'ai écrit le matin, je l'appelle, je pense. Fils, j'ai vu que Dieu m'a dit, tu es un garçon consacré. Peu importe ce que tu feras dans la vie, tant que tu ne sers pas Dieu, tu n'iras jamais de l'avant. C'est vrai ce que j'ai dit? Ta mère t'a donné à Dieu quand elle était enceinte. Quand tu es né, on t'a encore donné à Dieu. Je viens comme ton père de la lignée de la liaison d'Adinaba et j'active ton appel à partir de fin 2021.
et 2022. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Acclamez très fort. Lève les mains. Lionel, viens. Lève les mains. Thanks. Thanks! Jesus. Thanks! Lord, élevez-le. Thanks, Jesus! Élevez-le. Fire the Holy Ghost! En carré, carré, je vois la lumière sur toi, viens. Il y a une maman dans ta maison qui prie beaucoup. Ça doit être maman. C'est ça? Je vois une maman qui prie beaucoup chez vous. C'est qui? Ma maman. C'est ta maman. Hein? Je l'ai vue derrière toi et t'as tenu les mains ici. Elle prie pour toi. Tu as un appel au ministère. Votre famille semble être pauvre. Mais Dieu dit tu vas être très, très riche. Et tu vas rehausser le nom de ton père. Lève les mains. Fire the Holy Ghost! Jesus. Lève les mains. Dis je reçois. Dis encore je reçois. Est-ce que tu le reçois? Est-ce que si vous le recevez? Recevez cela! Power! Mighty power of the Holy Ghost! Là-bas! De servir Dieu. Allez prêcher dans les marchés. Yes. Prêchez sur Internet. Yes. Dites aux gens que Jésus revient. Yes. Gagnez les âmes. Yes. S'ils doutent, guérissez les malades. Yes. Faites tomber la pluie. Yes. Faites apparaître l'argent. Yes. Guérissez les malades. Yes. Révélez les secrets des cœurs. Yes. Et dites-leur, le royaume des cieux est venu parmi vous. Yes. Celle qui saute là, amenez-la moi. Est-ce que quelqu'un a reçu ici? Amenez-la. Est-ce que quelqu'un a reçu? Oui, viens, qui vient, qui revient encore. Non, l'autre là. Que Dieu se serve puissamment de toi, puissamment. Puissamment, puissamment, puissamment. Puissamment, puissamment. Puissamment. Satan. Lâche-la! Elle appartient à Jésus. Satan, lâche-la! Elle appartient à Jésus. Elle n'habite pas sous les eaux. Elle n'habite pas dans une forêt. Sa vie est entre les mains de Jésus. Merci Saint-Esprit. Fais comme ça, j'ai reçu. Encore. Encore, regarde-moi. Oui. Dis, j'ai reçu. Mets cela sur ta tête. Mets cela sur ton corps. Acclame pour le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit?